Donc moi, je m'appelle Seydou Kane. J'habite à Dakar et je fabrique le coral. Là où je travaille, là où je suis, c'est un village de production. Nous, on est des producteurs et on est des artistes. Chaque jour, j'ai envie de faire plus que hier. C'est pour cela que je fais des recherches sur le coral. Donc, l'envie avant de faire un coral, l'envie de faire un coral. Donc, c'est un. Tu ne peux pas l'expliquer. C'est un immense plaisir parce que déjà, toi, dans ta tête, c'est déjà fini. Mais donc, comment tu vas faire que ça soit réellement ce que tu penses? C'est d'essayer de ressortir le plaisir qui est à l'intérieur de moi en faisant ce travail-là. Donc, commençons sur le calebasse. Il faut avoir un calebasse bien rond. Donc toujours pour faire un coral, il faut choisir le meilleur calebasse pour que ça dure longtemps. Parce que si tu ne grattes pas, les insectes vont faire surface et manger le calebasse. Ay jigen lañ ñu bolo fi
défal sen CIE CIE bi mu ngi tuddu ñax jarign liggéey dar rek nañu lañu yor mais tam suñu doole rek lañuy liggéey te xam nga dafa diis légui da am lo bëggono wax après da am lo ci bëggo wax légui ci glace bi dina ci am juroomi fan bu ko defé ñu doora dindi karaw gi wourna yal di tiax billahi jaar na ñoo wa jaar Donc cette envie là tu le vois dès que tu me vois tirer les cordes. Tu dis que je suis fatigué au fond de moi j'ai le plaisir pour le faire. Je ne me fatigue pas quand je fais le kora. Quand je tire les cordes et le pot sur le calabasse. Tu crois que je suis fatigué et moi je ne suis pas fatigué. Au contraire, c'est le plaisir qui est immense à l'intérieur de moi, c'est ça qui sort. Donc, si le pot ne sert pas le calabasse, donc, tu n'auras pas le son. Donc, pour le bois de kora, il faut toujours choisir un bon bois. Et ici, au Sénégal, le bon bois, c'est le vin. Le vin est un bois capable de dire. Toujours, il faut séparer le milieu en haut et le milieu en bas. De gauche à droite, de haut en bas. Il faut toujours séparer le milieu. Donc, tu vois que je prends mes mains pour poser les deux bois pour qu'on tient ici.
C'est l'équilibre qui peut faire un Coran. Si tu n'es pas équilibré toi-même à l'intérieur de toi, d'ici 100 ans, tu ne peux pas faire le Coran. Celui qui fait le Coran, c'est quelqu'un d'équilibré. Donc, si tu fais le Coran, c'est comme tu es que tu fais le Coran. Donc, celui qui fait le Coran, ça doit être un homme qui existe et qui se met dans le droit chemin pour faire un bon Coran. Tu peux faire. Metala ba liguey neexna liguey dafa neex D'abord, pour le Coran, pour que je t'explique facilement, c'est un instrument royal. Avant le Coran, on le jouait pour les rois. Les griots qui jouaient le Coran, on les appelle les djali. Les griots font partie de notre patrimoine. Donc les griots, c'était des savants. Les griots, c'était ceux qui captent le plus la population. Et de génération en génération, ce savoir-là reste entre eux. Bon, les griots, bon, ce sont des ambassadeurs du monde entier. Parce qu'un griot, c'est quelqu'un qui déposite le savoir et qui va aller exposer ça à l'extérieur et essayer de sensibiliser la population. Donc, un griot,
Pour moi, c'est quelqu'un qui sensibilise. C'est un leadership qui règle des affaires dans la société et il joue un rôle très primordial. Le griot et la musique, il y a un lien. C'est étroit. C'est un griot. C'est quelqu'un qui est né dans la société où on exerce un instrument comme la kora ou bien balafon. Donc le griot, c'est quelqu'un qui est né dans la société et qui a trouvé ça sur place. Et il est grandi dans ça. Tu peux prendre celui, ton pot là, pour avoir un rond normal. Zifasu dore diya wudore. Je vais le poser ici. Qui pour son kora veut dire, ça sort le son du kora. C'est ici que le kora doit sortir. Si tu joues en corde, ça sort par ici. Mais si tu ne fais pas ça, le kora se ferme. Il n'y a pas de son, tu n'écoutes rien du tout. وسيه توب رب العزيز الجود والله مع المصطفى والله لي محلد صفي
وسهرت مع المتارب عواده. Donc je t'avais dit que le Cora, si tu n'as pas de plaisir de le faire, peut-être que tu feras un. Laisse-moi que tu peux dire le Cora, mais ça ne me sera pas. Donc pourquoi je chante? J'ai le plaisir de faire ce que je fais. Et chanter ça, ça me donne le plaisir de bien le faire. Et bien faire le Cora, c'est de respecter ton culture. C'est pour cela que je sente et je dégage l'énergie qui est à l'intérieur de moi pour que ça rentre sur le corps aussi. Sept. One, two, three, four, five, six, seven. Donc le 21 cordes représentent Basmala 21 fois. Donc c'est une protection pour que le Cora soit, s'il est dans une maison, c'est une protection pour que les mauvais esprits n'arrivent pas sur la maison. Le chevalet, c'est lui qui pointille. On sépare les fils. Donc le chevalet, c'est lui le cheval du Cora. C'est lui qui permet le Cora d'être équilibré et d'être parfait. C'est lui qui fait la finition. Un griot, c'est un accordeur. Un griot, c'est un accordeur. Ils savent accorder le Cora. Donc, tu connais le raisonnement de Cora. Tu fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et toutes les musiques, leur tonalité sort du Cora. Du blues, du jazz, rock'n'roll. Donc le Cora est universel, donc il peut passer à n'importe quelle musique du monde. L'instrument, c'est spirituel, c'est médical et c'est non stressant. Donc pour l'avenir de Cora, c'est immense. Rien que d'entendre le son de Cora, tu peux oublier tous tes problèmes. Apollo Misoma.